Mystic Quest Legend, un jeu de Square sorti en 1993 sur Super NES. Un jeu que je ne connais pas du tout, jamais vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jeu qui a été choisi par Lord Omega pour ce premier jour du stream des points de chaîne. Et c'est parti, alors Tundi. Quoi tu... Ah, faut appuyer le bouton C, Z, je sais plus. Le Y, pile poil, ça rentre. Tundi. Alors avant de commencer, hein, la tradition veut qu'on aille voir les succès, mais comme c'est un RPG et que j'ai pas envie de me spoiler, regardez ça. Il y en a 3000. Il y en a plein. Plein. Mon village a disparu. Sapristi, que s'est-il passé? Cet endroit va sombrer, partons. Cette musique, je la connais. Mais c'est le même début que sur Game Boy, non? Parce que la version Game Boy, je l'ai fait. Faites. Appuie sur B et saute. Ok. J'ai même pas appuyé sur B. Ça s'effondre. Alors je dois éviter la tentation d'accélérer l'émulation parce que j'ai une touche. Voilà. Mais je peux pas revenir en arrière parce que je suis en hardcore. Regardez là-bas, c'est la tour focale qui fut le noyau du monde. Un oracle dit que les quatre voleront la force et diviseront le monde. Derrière quatre portes. C'est tout à fait compréhensible. Et un chevalier viendra. L'oracle, l'oracle est réalisé. L'oracle est réalisé. Quatre monstres ont fermé les portes de la tour et emporté les clés. Ils épuisent les cristaux du monde qui n'est que chaos. Il faut aider les gens, Sundi. Tu sauveras le monde et les cristaux. Moi? Bah oui, toi, Sundi, celui dont parle l'oracle. Mais t'es complètement en débile ou quoi? Premier monstre. Monstre! Alors, combat, fuite, contrôle. Bah, combat. Quoi? Je me trompe de bouton. Attaque, sort, attaque. Taurus attaque avec corne. Ça va être trop long. On en a pour 15 heures là. Même plus. Vu que c'est moi qui joue. Attaque. Raté. Attends, mais c'est prévu de mourir, c'est ça? Faut arrêter, hein. Faut arrêter avec ça. Monsieur Gum Daniel, bonsoir. Ça se joue à une main. Je devrais jouer à un autre jeu en même temps à côté. L'ennemi est anéanti. A obtenu 84 XP et trouvé 3 pots. Je le savais. J'ai trouvé le vrai chevalier. Mais tu sais, étais certain que j'étais celui-là? Que d'histoire, j'avais raison. Na. Le gars, il fait ça. Bon, dis-moi où trouver les cristaux. Bah, démerde-toi. Partons, suis-moi à la chaîne. Ah, suis-moi. Suis-moi à Chennai. Je sais pas lire, les mecs. Je suis trop vieux. C'était qui, ce type? J'adore la musique. Il avance tout seul. Chenet. Dick Chenet. Chenet. Ta-na-na-na. Sortez les briquets. C'est Lord Eslo. Attends quoi? Ah! Ah! Mais enfin, c'est pas du tour par tour. Mais... ça, on s'en fout. C'est pour sauvegarder. On peut sauvegarder quand on veut?
Oh là là, attendez. On a des objets. Merde. Oh là là, qu'est-ce que c'est? D'accord, Y. Non. objet, donc. Oh. Ok, objet, sort, armure. J'ai une armure. Arme, j'ai une arme. Statue. Des tas de trucs. Perso. Oh là 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 là. On va mettre 5. On n'est pas sorti du sable. Hein. Je vais mettre 10 ans à maîtriser tout ça. Te voilà, je commence par quoi? Par le cristal terre. Ah non, par le cristal terre, au revoir. Mais qui c'est qui parle? Mets sur fraction dans les paramètres. C'est quoi fraction? Voilà. Ça change quoi? Bien, 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 bien. Eh bien, allons-y. Visitons cet endroit. Il y a un vieux monsieur, là. Qui se dandine. Ce rocher bloque le chemin. Peux-tu le pousser? Oui, mais peux-tu te pousser, toi? Salut le Benoît, merci pour le sub. Le 12e mois, merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais faire... Voilà, comme j'ai pas mis les alertes pour l'instant. Merci. Merci, 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 merci. Bien, alors, où aller? Je peux... Le vieux, il veut que je pousse un rocher, mais le vieux, il est devant, donc comment je fais pour passer si le vieux, il me laisse pas passer pour pousser le rocher qui l'empêche de passer? Oh bah attends. Il faut sauter au-dessus de lui. On faut sauter au-dessus de lui. Merci, traverse. Merci, traverse cette forêt. Va voir Kaeli à Foresta. Et montre-lui ceci. J'ai reçu une branche. Super. Merci, tu as trouvé Kaeli? Non. On peut pousser le rocher, quoi. Et puzzle game. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Succès débloqué, j'ai trouvé guérison. Oui, j'ai un bouton de saut, ouais. J'avais oublié. Bien, eh bien, allons à Chenei. Non, Foresta ou... Foresta, t'as pas le choix. Foresta. Je suis Kaeli, un arbre obstrue la sortie nord de Chenei. Je peux abattre l'arbre, mais avec ces monstres, ce sera difficile. Avec ça, je peux t'aider. Allons-y. Quoi, elle vient avec moi? Si tu fais du mal à ma fille... Oh man, la honte. Comme les arbres doivent souffrir. Je prends sa hache. Ne t'inquiète pas, maman. She talked to trees, then cut them down. Et Kaeli se joint à l'équipe. Ok. Salut Saint-Frateur. Le petit jeu tranquillou du dimanche soir. Quoi cette boule? La sauvegarde. Mon mari, Mac, a oublié sa casquette. Pourvu qu'il ne lui arrive rien. C'est ma première mission, lui apporter sa casquette. Non, c'est pas du tout... je me souviens de rien. Là, franchement... je connais pas ce jeu. Des arbres bizarres poussent à Chenei. Le cristal terre est au nord, dans le donjon d'os. Le cristal terre est au nord, dans le donjon d'os. Merci. Merci pourquoi? Pour la branche?
prends le coffre là derrière. Prends le coffre là derrière. Oui, 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 oui. Prends le coffre là derrière. Elle est où l'entrée? Peut-être passer par derrière. Par ce tunnel tout sombre qui sent pas très bon. Les Anglais ont débarqué. Par là? Faut passer au-dessus des tonneaux. Les puzzles. C'est le stream tranquillou ce soir. On ne s'énerve pas. ASMR. Il faut passer au-dessus des putains de tonneaux. Tu te fous de moi? Hé le vieux! Donne-moi le double saut, s'il te plaît. Donne-moi le double saut. Non, mais t'avais la solution. Passer par derrière, peut-être. Ok. Je pourrais aller plus vite, hein. Mais on va se détendre aujourd'hui. On se détend. Il faut pas s'énerver. Mais on va quand même farmer super vite. Bon. Il faut des Oh là là. Ah. 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 Oui. Succès débloqué. Robert Smith. Trouver guérison. Quoi, Robert Smith, le chanteur de Cure? J'ai pas la ref. Attends, on va avoir des jeux de mots comme ça. Tout le long. Ah, Cure, mais oui, guérison. Mais oui. Énorme. C'est bien. Très bien, très bien. Voilà, vous allez m'expliquer les jeux de mots des succès, parce qu'apparemment, c'est tout comme ça. Je vais te tuer. Allonge-toi ici, si tu es là. Je suis là. Ah, il y a un S. Là. De fatigué. Attends, quoi? La pause. C'est gratos? J'ai pas dépensé d'argent, hein. Non. Il y a quoi là-dedans? The Cure. Sauveras-tu les 4 cristaux? Eh ben ouais, je suis obligé, hein. Mais... Ce son de prout. Statue. C'est pas ça que je voulais voir. Sort. Guérison. Attends. C'est quoi là en dessous? Auto, manuel. Manuel? Non? Et ça c'est quoi? La vie. C'est quoi la différence entre la guérison et la vie? Soigner et rendre la vie? Il y a une explication. Il y a pas d'explication. Non, tu te démerdes. Hein. Allez hop, on sort d'ici. Sortir du menu. Voilà. Ça m'a remis mes HP, oui. Faut la mettre en manuel, sinon elle fait nimp. Oh, j'imagine. J'imagine très bien. Ok. Bon. On avance. Vie, ça relève les morts. Ça ne les soigne pas. Là, on va sauter. J'ai été transformé en vieillard. J'ai été transformé en vieillard. Ah bon. On t'a mis sur une île. En quarantaine. Eh bien, je crois que j'ai tout vu. Oui, on va se casser d'ici. On se barre d'ici. Tu as oublié quelque chose. Eh mais je vais mettre 10 ans moi. Ah. Il se passe un truc. Je le coupe avec ma hache.
La sortie nord est par là. What? Ah d'accord! Ah d'accord! C'est comme ça les ennemis! Eh ben, combat! Il y a Jean-Jean et Limas. Jean-Jean. On attaque les Jean-Jean. Ah mais elle est super forte, Kaylee. Et moi? Bon. Jean-Jean attaque coup de pied. Il a un pansement, Jean-Jean. Jean-Jean. Hydroacide. Je devrais peut-être combattre... Non, toi, coup de hache. Et toi, le slime. Je tâtonne, hein. Je découvre le RPG. L'ennemi est anéanti. J'ai 204 points d'XP et j'ai trouvé 9 pots. On dirait des narines. C'est des narines. On va tuer tout le monde. 100%. Y'a quoi par là? Je sors. Ah bah oui. Ok. Ok. Il revient. Non, j'ai dit que je faisais pas ça. Promis. Ah non, c'est l'inverse que je voulais faire. Bon voilà, tant mieux. Bon, on va pas trop se casser la tête là, on va juste spammer l'attaque et ça va passer. J'ai augmenté de niveau. Bonne nouvelle. Au suivant. Permettez-moi juste de faire un essai en avance rapide, juste pour voir à quoi ça ressemble. Ouais. Ok, bon bah c'est risqué. Hein. Oh putain, ma vie 34 sur 120. On va retourner au village, on va faire dodo. Voilà, c'était juste un essai. C'est une très très mauvaise idée de faire ça pendant les combats. Non ? J'ai trop l'habitude. Je vais le désactiver. Faut que je désactive ça. Sinon, je vais pas arrêter de le faire. C'est là. Hein. Il faut respecter le jeu. Comme à l'époque, dans sa version française de l'époque, car ça a été commercialisé en français. Un peu de respect, merde. Qui voit la différence graphiquement entre la version originale et ma version? Pour voir si vous suivez un peu. C'était pas par là. C'est qui m'a choisi ça déjà? Que je le banne. C'est là? J'ai raté le lit. Il est où le lit? Il est où le lit? On va dormir dans le même lit du coup? J'ai pas envie. Ouais, le jeu il est chill. C'est bien ça le problème. Eh, mais on avait pas dit qu'on faisait une heure un truc, une heure un autre truc? Le jour des points de chaîne? Pour les différents, je me demande si t'as pas un truc de smoothing, de sprite. Exactement. J'aime pas le filtre bilinéaire de la SNES, donc je le désactive. Je pourrais mettre des scanlines. Mais j'aime pas non plus. Sauf pour la cam. En vrai, vu que le coup est le même, quand ton héros aura vie, tu n'utiliseras plus guérison. Mais vie, c'est quand je suis mort, non? On peut pas guérir la mort. C'est beau ce que je viens de dire. C'est quoi ce coffre là? C'est quoi? Quoi? Que? Mais enfin, mais... On peut pas sauter ce petit rocher?
Mais pourquoi? Pourquoi on peut pas? On verra ça plus tard. Tu comprendras plus tard pourquoi on peut pas jeter ce petit rocher. Alors, le combat. Combat, attaque, Jean-Jean. Attaque, le slimy. Le salami. Y'a pas un truc de changement de perso pour couper les arbustes avec Kaeli? C'est une question rhétorique ou... Tiens, mais au fait... Y'aurait pas un... Est-ce qu'on peut switcher? On peut switcher? Ce bruit de prout! Attends, je comprends rien à ce jeu. Je viens de boire une potion de guérison pour rien, là. Mais c'est les touches, c'est n'importe quoi! Arrête de boire de la potion! Eh, mais je vais mettre des post-it sur mes touches. Ah, mais c'est l'horreur, là! Bon, ne jamais appuyer sur le bouton B. Oh là 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 là. Ça, c'est la sauvegarde. Voilà, je sauvegarde. Il faut sauvegarder souvent. Ça, c'est auto, manuel. Et pour sortir du menu, c'est... Ah, la vache! La vache, c'est quoi ce jeu japonais, là? Un truc de changement de perso? Bah, apparemment, non. Y'a pas. Mais c'est ça, c'est le... C'est japonais, quoi. C'est tout inversé. Bon, bah là, j'attaque. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ne m'empoisonne pas, toi. Hein. On va aller par là. Si j'attaque le même et qu'il meurt, du coup c'est raté, c'est ça? Il a fait quoi, babaf? J'ai pas lu. Non, faut que je lise. Il faut que je lise ce qui se passe. J'attaque à l'épée. Ok. Attends, pour changer, tu dis, mais... Peut-être les gâchettes? Non, les gâchettes, rien non plus. Mais au moins, je peux changer manuel et auto quand je veux. Je vais mettre auto pour l'instant. C'est le début. On essaye. Donc si c'est en auto, moi je combats pour moi et après elle combat automatiquement. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Bon, je vais laisser comme ça pour le moment. Tu confonds peut-être avec Lufia 3. Je connais pas non plus. Je connais deux noms, mais j'ai jamais fait. Mais qu'est-ce que t'as fait en RPG, Sundard? Dandy, il a fait quoi? Ben, FF4, qui est mon préféré de la série, FF5. J'ai tenté FF6, mais je suis pas parvenu à battre l'escargot du village. Et FF7, bien sûr. FF8, j'ai abandonné. Au début, parce que ça me saoulait de rater des trucs, et tu peux plus revenir dans les endroits, et ça j'aime pas. Et puis le système de combat est un peu bizarre. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre, en RPG? Je sais plus. J'ai fait Breath of Fire 3, qui est excellent. Excellent jeu. Excellent RPG. Secret of Mana... Alors, j'y ai joué quand j'étais petit, je ne suis jamais parvenu à battre le lion au début. Donc, je suis très très mauvais, quoi. Mais bon, c'est pas vraiment un RPG tour par tour technique, quoi. C'est plutôt un jeu à la Zelda. Merde! Je suis sorti du... Non! De tout me retaper. Ta la la la, ok! Putain. Ouais, voilà. Grand Stream Saga, j'aimerais bien le refaire en vidéo, ouais.
Parce que quand je l'avais fait à l'époque, je m'étais fait hacker. Souvenez-vous. Y en a-t-il qui s'en souviennent ? Ne citez rien, alors. Ne citez rien sur le chat. Ne citez pas de nom. Grand Stream Saga, t'as pas accroché ? Rien que pour les doublages. Juste pour les doublages, ça vaut le coup. C'est une perle. Non, mais c'est un peu lent comme jeu. Mais. À la fin du jeu, ça commence à être technique. Tu sens vraiment que le jeu, il est excellent. Tu commences à l'aimer et là, tu le finis. Et ça, c'est le gros problème. Bonsoir, Trion. Ouais, les persos qui n'ont pas de visage. Ouais, bon, là, c'est... Ouais. C'est vrai qu'esthétiquement, c'est... Mais la VF est géniale. Oh, Eon, je suis tremblé. Il a sauvé les oiseaux, mais c'est un héros. faut qu'on y rejoue un jour. Oh, ce nez là. Ce nez gratte. Il me faut un gratteur de nez. Azure Dreams, j'ai joué un peu, j'ai pas creusé. Mais il y en a d'autres. Hein. FF Tactics aussi, que j'ai pas terminé. Final Fantasy Tactics. Chrono Trigger, j'ai joué 15 minutes peut-être. C'est pas que j'ai pas accroché, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai pas voulu continuer. Peut-être pour le réserver pour un stream. Secret of Evermore, j'ai la cartouche, j'ai le jeu, j'ai le guide, j'ai tout. J'y ai jamais joué. Alors que j'ai l'original. Version collector. Pourquoi j'y ai jamais joué, je sais pas. Attendez. Legend of Legaia, j'ai pas fait. Soul Blazer. Excellence. Attention, je vais boire la potion comme un débile. Voilà. J'adore Soul Blazer, j'aime aussi... comment il s'appelle ? Tu commences dans un port de pêcheurs, obviously. Et tu dois faire une attaque tournoyante, je crois. Comment il s'appelle ce jeu ? Sur Super NES ? Non. Radical Dreamer, non. La suite de Soul Blazer, on pourrait dire ça. Denix. Sans Square. Comment il s'appelle, putain? Je sais plus. J'ai l'encartouche, j'ai le manuel et tout, version collector. Pareil pour Super Metroid, pareil pour Secret of Mana, pareil pour... oui, que j'ai en cartouche aussi. Et quoi d'autre? Non, j'ai plus d'autres collecteurs, je crois. 28 PV! Allô? Allô? Merci, le chat! Réveille-toi! Elle utilise la guérison, ça va! Elle est sur automatique! On va garder l'automatique. C'est un bon plan. Oui, 48 PV. Voilà, c'est vous qui jouez. J'aurais dû faire Twitch chat. Twitch play, plutôt. Mon niveau augmente, 9 PO. Il y a tellement moyen de programmer ça en plus avec Touch Portal. J'ai trouvé de la santé. Healing Salve. Salve. Bah, salve comme une salve. Healing le soin. Qu'est-ce qu'il a cet arbre? Voici l'arbre maléfique dont je te parlais. Oh, il y a un cochon. Surprise! Quoi? C'est un homme tronc? Il m'a empoisonné. Il m'a empoisonné, comme les arbres. Donne-moi la main. Oh là là. Oh là là, le poison, ça commence. Et je suis à 48 points de vie. Et là, j'aurais dû mettre... Bon, le Minotaur. J'aurais dû enlever l'automatique. J'ai raté. Attaque grand soleil. Personne ne meurt dans ce combat. Sauf moi. C'est pas possible. On peut pas fuir, évidemment. Combat. Sort.
Guérison, mais elle est morte, donc ça marchera pas. Raté. Mais oui, évidemment, elle est morte. Moi, je suis devenu accro à Touch Portal. Tous les jours, je tâtonne un petit peu, j'expérimente, je trouve des nouveaux trucs. Et faire un Twitch Play, c'est possible. Faut juste trouver le bon jeu. Bon ben... Ça fait chier parce qu'elle va pas augmenter son XP. Je vais mourir. Le Minotaur va me défoncer. Personne ne meurt dans ce combat. Tiens, décisif. Justement, ça change rien, le coéquipier ne gagne pas d'XP. Bonne nouvelle. Thésus. On voit les succès au fait. J'ai pas vu. Est-ce qu'on voit les succès en haut à gauche? Kaylee, que t'arrive-t-il? J'irai mieux dès que j'aurai pris l'élixir. Il est au temple doré, allons-y. Ah, j'y vais. Prends cette hache. La H-A. I'm a Mojack. Comment ça encore la chanson? And I am okay. Les Monty Python. Ok, The Cure, Monty Python et peut-être d'autres. Que j'ai pas compris. Donc on va où? Au village. On va se soigner, on va chercher de l'élixir. Et on va faire un dodo. Thésée et le Minotaure. On va faire... Non, lui... Attends, mais qu'est-ce qu'il dit? Bravo, t'as réussi. Kaylee parle aux esprits des arbres. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'était quoi le jeu? Tales of Phantasia, j'ai pas fait... J'ai toujours pas trouvé le nom de ce jeu. Allonge-toi ici si tu es là. Attention les backseats. Je sais même pas ce que c'est le temple de Julien Doré là. On l'a pas vu. Je viens de comprendre ta blague. Ah là 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 là. Ah là 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 là, je reviens au même endroit. Nan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 
clac clac cli clac clou clou cli. Eh bien voilà. Bataille 10-10. C'est quoi bataille 10-10? Il faut en tuer 10? Oh putain! D'accord! Il y a 10 combats à faire. D'affilée. Bien! Ah, le Mudjack, and I am okay. Landfall, affaibli. On va s'amuser. Allez, plus que 9. Backseat, attention. On me dit de ne pas les faire maintenant. Pourquoi ça? Pour quelle raison? C'est ce que je ferais si j'avais joué de mon côté, mais pourquoi? Je ne sais pas. Encore 8? Ah bah oui, encore 8! 8! 8! Pourquoi ne pas les faire maintenant? Non mais... si tu vas au temple de Julien Doré, ce sera plus facile. Mais je n'ai pas accès au temple de Julien Doré pour l'instant, vu que je n'ai accès qu'à... Ah mais si! Oui d'accord, mais bon... Voilà, je savais pas qu'on pouvait... Je pensais qu'il fallait faire les 8 batailles avant d'aller chez Julien. Mimic. Non. C'est qui ça? Tu cherches un remède, petit? Et je suis Sandy et je cherche l'élixir. Ça sera sa voix jusqu'à la fin du jeu. Je le vends 9000 pots. C'est une affaire, non? Quoi? Mais quoi, ça va pas la tête? Eh petit, ce truc est hyper rare. Mon argent de poche est de 2 pots par mois. Je te propose ceci. Je vais chercher un trésor à Donjon d'Os. Viens! C'est une traduction. Si j'ai le trésor, tu auras l'élixir. Et tu parles d'un choix? Non mais 9000 pots et... Oh, et ça va pas, non? Ah, une bataille pas loin! Petit... Quoi? Attendez. Ah, une bataille pas loin! Petit, Ross un monstre et tu seras récompensé. Et je suis Sandy, je suis pas petit. But his hold is nowhere to be found. Ce qui veut dire... Attends, il n'y a plus rien là. Je sais plus, mais c'est un RPG d'initiation. C'est pas Star Ocean, où le choix de ton menu peut te lock ou pas d'un... Vous savez que vous me parlez chinois là. Vous me parlez de RPG, je suis là... Non, mais tu dois loquer ton... Merde! Mais il y a 10 batailles là aussi, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais trop vite, là. Crapolé et basilisque. Bien, allez, go, attaque. Tristan attaque avec étoile ninja. Crapolé résiste. Il est retourné en œuf. Mais c'est facile! Attaque croc. Il a fondu. Encore 9. Bien, on va se calmer. Ah ouais, c'est plus facile vu que j'ai un coéquipier, ok. Et vu qu'il gagne pas de points d'XP, ok. D'accord. C'est parti. Comment il s'appelle? Pas de folle? Plante folle. Pas de folle. Tristan attaque avec toi, ninja. Encore 7 batailles, oui. Je pensais à encore 7 points d'XP et tu passes le niveau. Ah, le jeu de la détente. Ça se joue à une main. C'est tranquille. On peut faire autre chose en attendant. Ah, il fait quoi là le crapaulet?
tout le contraire de Final Fantasy VI. C'est autre chose que l'escargot du premier village. Vous vous souvenez du jeu Cookie Clicker ? Il va falloir qu'on reprenne un jour les rétro achievements. Il en reste 8. Il est laid le crapaudet. Alors je sais qu'il y a un décalage entre le son du jeu et mon micro. Du coup ça fait n'importe quoi. Vu le nombre que tu as montré, il y a sûrement un succès pour chaque item ou sort. Ouais, ouais, bah oui, sûrement. Pour chaque petit détail. Il y a peut-être des succès spéciaux. Mais j'ai pas envie d'aller voir, sinon je vais me spoiler la suite. Vous pouvez aller voir sur la page Retro Achievement, vous tapez Mystic Quest Légende. Faudrait que je prépare ça sur Nightbot. Là, je peux faire ça maintenant. C'est pas comme si j'avais beaucoup de choses à faire. Voyons voir. J'essaie de jouer en même temps. Non, c'est impossible. C'est impossible. Battlefield de touristes. Battlefield de touristes. Bien. Ah bah voilà. Et si j'y retourne? Déjà fait. Mais tout le jeu, il est comme ça. Mais c'est génial. Ça va? Ça va, ça va. Mais c'est tranquille. J'ai même le temps de me gratter là. Là, je me gratte. Là, t'as le karma qui est là. Il se frotte les mains, tu vois, il est là. Oh putain! Oh putain, je vais me marrer! Vas-y, continue! Dénigre mon jeu! Fais-toi plaisir! Je dois aller serrer l'épicerie. Excuse-moi, Bad, mais. C'est une façon détournée de dire autre chose ou. Parce que ça, j'ai des images mentales du coup et ça me perturbe. Bon, excusez-moi, je dois aller parler au grand prêtre blanc. Non, parce qu'il est un peu 10h44. A tout à l'heure, Madame Bad. Bad Elbereth. Attends, t'es poisonné! Pourquoi t'es poisonné? Il y a le jeu qui me dit, il se passe un truc. Il se passe un truc, réveille-toi. Ça va. Quoi? Faut que j'arrête de spammer. Attends, faut que j'arrête de spammer parce que là, en fait, t'es en train d'apprendre le jeu. C'est un petit peu le tuto et je suis en train de zapper le tuto, là. Est-ce qu'on peut se... Je vais mettre en manuel. Manuel? Et je suis toujours poison, hein. Attends. Combat. Là, on a tout le temps, hein. Sort. Magie blanche. Noir. Ah oui, 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 ok. Magie blanche. Sorcellerie, noir. Bien. Si je fais guérison, ça marche pas. Parce que c'est pour guérir les points de vie. Ça soigne pas le poison, non? Voyons voir. Non. Non, 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 non. Ça soigne pas le poison. Mais bon, vaut mieux le faire quand même. Allez, on attaque. Comment ça, raté ?
Non mais j'avais compris, hein. Je dois servir l'épicerie. Je sais que t'es épicière. Elle fait des bonnes crêpes d'ailleurs. J'ai pas goûté, mais il paraît qu'elle fait des bonnes crêpes. L'ennemi est anéanti. Attention, le poison. Hein. On surveille le poison. Oh, je perdais des points de vie sur la map. Alors, j'ai pas lu ce que tu m'as écrit. Est-ce que je peux lire ce que tu m'as écrit? C'est pas un spoil, y a pas de feu vert. Je vois RNG. Allez, tu remarqueras vite qu'une attaque qui réussit hors coup critique fait toujours les mêmes dégâts avec la même arme au même niveau sur le même ennemi. Y a pas vraiment de RNG, quoi. Ok. Y a pas de RNG. C'est tout ce que j'ai compris. Oui, y a pas de surprise, c'est toujours la même chose. Bien. C'est toujours les mêmes dégâts. Les crêpes allemandes, c'est assez bon, surtout avec du sirop d'érable du Québec. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de crêpes. Des crêpes à la cassonade. La cassonade noire, pas la blanche. La blanche, j'ai l'impression de bouffer du sable. Bon, tu peux faire un crit ou rater, mais sinon regarde, Tristan fait 168 sur le crapaud à chaque fois. Oui, ça j'avais remarqué que c'était toujours le même. Ah oui, mais c'est vraiment le RPG de débutant. Juste avant de reprendre les streams, une semaine avant, j'avais commencé un RPG sur NES. Par contre, le nom du jeu, impossible de m'en souvenir. Faut que je regarde dans mon historique. Mais c'était pas mal, c'est un genre de Dragon Quest. Charmed, I'm sure. Charmed, I'm sure. Je suis sûr. Charmed, la série, là. C'est ça? Bon, hé. On est en mauvaise posture. On va faire un dodo. Non? Et on va sauvegarder. On va sauvegarder. Faut sauvegarder, y'a pas de sauvegarde automatique. La noire contient plus de mélasse, elle est moins raffinée, c'est pour ça qu'elle est moins sableuse. Ah mais oui, c'est vrai que t'es cuisinier. Dès qu'on voit un cuisinier dans le jeu, on l'appelle Wonder. On fait dodo. Chacun dans son lit. Non, je dors avec... avec Manuel. Avec Tristan. Non, Manuel. Manuel, c'est autre chose. Ah, j'ai envie de l'appeler Manuel. Bien, allez, on sort de là. On sort du village tout de suite. Da-da-da-da-da-da. J'aime bien les musiques du jeu. Ça, c'est des musiques qui vont te rester dans la tête pendant des années. Je commence à comprendre pourquoi ce jeu est culte. Donjon d'os, E1. Je suis de ceux qui préfèrent le sound chip de la Mega Drive à celui de la Super NES, sauf quand c'est Square Enix. Square ou Enix. Bon, premier combat. Bon, la guitare là, par contre, ce sera toujours la même musique de combat. Re. Épicerie Serey. Merci pour le host. Je veux manger des crêpes. Allez, vamos, Manuel. Vamos, vamos, carajo.
Un jour, on m'a dit « Eh, d'où tu te permets de faire cet accent espagnol dégueulasse? T'as pas honte? Un peu de respect ?»« Je suis argentin, connard !» Je lui ai répondu. « Je fais ce que je veux. Je t'emmerde. » Si c'était un de... Si c'était un de vous, je suis désolé. Je sais plus qui m'a dit ça. Mais merde, tu es argentin, quoi. Ah, je fais ce que je veux. Il y a des accents que je prendrais pas, par respect, mais oh. Espagnol, je peux. C'est quoi ça? Un gros verre. Dégueulasse. Verre de sable. Verre de sable. Ouais. Quand il n'y a pas de place, on se démerde. Eh ben, on attaque le verre de sable. Histoire attaque avec Atoile Ninja. Là, on fait attention quand même. C'est du caca. Étoile Ninja x10. Comment ça x10? Quoi faut... Attends. C'est limité? J'en ai 69. J'en ai 69 comme par hasard. Bon ben... C'est limité. Ah ben oui, 68. Aïe aïe aïe, poison. Muy bien, Manuel. Verre de sable. Attention, il y en a deux. Ils m'ont pas encore attaqué, hein. Si ça se trouve, ils me défoncent en un coup. T'as même pas le temps de profiter de la musique. On est parti pour un 100%. Tous les combats. On détruit tous les ennemis du jeu. On ne zappe rien. Merde, j'ai pas vu. Il faut que j'arrête de zapper. Coucou chouchou. Peut-être baisser la luminosité du... Parce que de toute façon, ce sera toujours en blanc comme ça. Non, je vais laisser ça comme ça. Se fait livrer une pizza... Oui. Non, 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 non. Non, pas moi, non, merci. J'ai mangé... J'ai bien mangé tout à l'heure. J'ai mangé une tarte hachis parmentier avec du fromage et... du paprika et je sais pas quoi d'autre, c'était super bon. Tir décisif. Salut Chrono Kami. Oh, mon RPG du cœur, le tout premier qui m'a fait découvrir le genre, un vrai mal-aimé, j'ai jamais compris pourquoi. Bah c'est peut-être pour ça. Moi, comme je connais pas du tout, comme je suis pas du tout un adepte du genre, bah ça me plaît pour l'instant. C'est tranquillou. Tous les combats, bon courage, déjà qu'il y en a trop, mais en plus tu roules sur le jeu, du coup... du coup, trop en tuer, tu as les difficultés. Ah! C'est une bonne nouvelle, ça! C'est une bonne nouvelle! Ah oui, on est en rétro achievement, donc il y a aussi le 100% à faire. Ce qui me faisait un peu peur au début, vu que je connais pas le jeu, mais bon. Si c'est juste tuer tous les monstres de la map, ça va. Ça va! En vrai, tu peux esquiver facile la moitié des combats, ça reste trop facile. Ouais, ouais, mais moi... Moi et les RPG, hein... J'aurais dû faire une liste de RPG que j'ai fini et que j'ai abandonné. Parce que j'ai une petite mémoire.
FF4, FF5, FF7, FF8 abandonné, Soul Blazer, un autre sur Super NES dont on n'arrive toujours pas à retrouver le nom, avec un petit garçon qui doit tournoyer son épée pour attaquer, et même qu'il y a un moment il doit passer devant un mur, et il y a ses cheveux qui bougent, et du coup il y a du vent, et tu dois mettre une bombe. C'est pas Terranigma, j'ai pas fait Terranigma. C'est quoi le jeu encore? C'est pas le Soul Blazer que j'ai fait aussi et que j'adore. Illusion of Time! Voilà! Ça, j'ai bien aimé. Mais bon, c'est pas trop le même style. Hein. C'est pas tour par tour, c'est plus action RPG. Et en action RPG, ben, à part les FF4, 5, 7. Et c'est tout. Oh la vache. À part ça, j'ai rien fait. Bon, attendez, pourquoi je peux pas. Pourquoi tu marches pas là-dessus? En hommage à Contra 3. On rentre dans la boubouche. Il y avait un passage là derrière. Le donjon d'os. Hop, hop, hop. Il fait tourner sa flûte. Je l'ai pas refait depuis l'époque. Je l'ai en cartouche avec, avec le grand guide, là, la grosse boîte. Mais très très bon jeu, hein, Illusion of Time. Faut passer au-dessus du squelette. Voilà, par exemple, au premier coffre du premier village, je suis resté bloqué 3 minutes quand même. Donc, pour vous dire le niveau, on va rentrer là-dedans. Aïe! Ça c'est pour me réveiller, parce que... Moi, c'est les fast FPS, c'est les hardcore platformers, c'est les jeux qui défoncent la rétine. Là, je défonce juste mon bouton appuyé vers le haut. La porte est fermée. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Regarde. Je défonce les murs. Génial, non? Je t'en vends pas cher, un explosif à 50 pots. Mais non, c'est... Non. Ok, je baisse mon prix. Un explosif à 50 pots. Oui. Intensif training course. T'es obligé de l'acheter. T'as le choix ou pas? Ouais, mais non. Il veut pas baisser les prix. Le piaf, qui s'appelle... Bec du... Oh putain, le poison! Oh. Mais comment on se soigne du poison, là? J'adore. Attends, hé. Poison, alors, hé. Je rêve ou j'ai pas sauvegardé depuis Kaeli? Si j'avais fail, mais là. Bon, alors. Objet, guérison, santé, branche. La branche, ça fait un prout. Guérison. Guérison, je choisis entre l'un des deux. Mais ça me guérit pas le poison, guérison. Et santé, je vais l'utiliser. Faut bien tester. Mais what? Mais enfin, ça n'a pas de sens! Mais... Vous vous êtes trompé dans la VF. Vous tout inversé. Bec dur. D'accord. La vie, ça guérit, et guérison, ça... soigne. Mais oui, j'étais déjà empoisonné depuis tout à l'heure. Je sais, mais je pensais que c'était... Ça se guérissait au fur et à mesure, comme dans FF7. Non? Mais en fait, non, faut se soigner, ok. Squeletto!
Lui, il va me faire chier. Ah ouais, mais non, mais là... Il n'y a aucune résistance. Ça, c'est un jeu pour le Twitch chat. Si un jour je fais un Twitch play. Si un jour je crée un Twitch play, je tenterai avec ce jeu-là. Parce qu'il n'y a pas de timer dans les combats. Il n'y a pas de combat aléatoire. Non, c'est parfait. C'est parfait. Ouais, mais non, mais là... Attends, quoi? Ils font quoi, là? Guerre de sable, attaque craquement. Avec craquement. Ils m'attaquent par en dessous, en fait, c'est ça? Ok. Mieux vaut se lancer un défi d'en faire le moins possible. Ouais, mais j'aurais pas les rétro achievements. Ça, c'est l'excuse. Ah bah oui. Tiens, d'ailleurs, regarde. C'est où? C'est dans le menu principal. Je vais faire une bêtise. Attendez, c'était là tout à l'heure. Non, on verra ça plus tard. Je vais faire une connerie. Mais voyons, voilà, on peut voir la liste de tous les achievements. Non, non, je vais reset le jeu. Non. Quel enfer de faire tous les combats, j'ai toujours abandonné. Bah, le truc, c'est que je sais pas. Je vais... Attends, deux secondes. On va voir s'il y a un timer pendant les combats. Oh merde, apparemment oui. Merde, je vois rien. Il joue tout seul. C'est une blague. C'est une blague. Attends, quoi? Mais le jeu, il joue tout seul. Bon, d'accord, c'est facile, mais... Faut pas déconner, là. Bon, attendez, Retro Achievement. Oh, je suis pas log. Attendez, quoi? Non. Ah non. Non. C'est bon, pas de panique, je suis log. Comment je peux vous montrer ça? Tac, capture de fenêtre. Hop. Donc j'ai 10 achievements sur 94. Ça fait beaucoup. Voilà, il y a tout ça. Et j'ai ça pour l'instant. Et il y a des jeux de mots, comme par exemple Robert Smith, Pick Up the Cure. Ou encore là, les Monty Python. Enfin voilà. Il y a des jeux de mots, il y a des trucs marrants. En gros. Mais c'est quoi cette histoire de combat là? Qui va tout seul. Le jeu, il a des petites roulettes. Tu mets les combats en auto, tranquille, ça va vite. Ah mais je suis en manuel. Je suis en manuel, mais les combats sont quand même en automatique si tu joues pas. Ok. T'es pas prêt de faire le 100%? Enfin voilà, allez voir sur la... J'aurais dû vous filer la page. J'aimerais bien savoir si... Il y a vraiment cette histoire de faire tous les combats. Si il n'y a pas, bah je les fais pas. Ou j'essaye d'en faire le moins possible. Mais vu que... On peut farmer, ça m'étonnerait. Que je fasse ça. Enfin voilà, vu que vous connaissez le jeu, vous ne vous spoilez pas en regardant cette page. Dites-moi ce que vous en pensez en gros. Là je suis sorti. Je suis sorti mais il y avait un mur à péter là. Donc là c'est la suite. Non c'est pas la suite. Ok, on va aller là. J'ai pas fait le jeu depuis une vingtaine d'années. Si un des succès nécessite de finir tous les... Si, il faut finir tous les Battlefield.
Ah, les Battlefield, donc les... Pas ces combats-là. Les combats numérotés. D'accord. Bon, ça au moins, oui. Ça, forcément, je le fais. Je crois que t'as une contre-attaque. Ah, c'est peut-être ça. Trouver explosif. Et j'ai pas eu de succès. Faut que je vérifie. Est-ce que j'ai pas eu de succès parce que je me suis log Est-ce qu'il y a un succès pour les explosifs? Un succès pour les explosifs. Parce que ça aussi, ça m'arrive. Si je me log sur truc, ça délogue sur machin. Et ça fait chier. Apparemment, non. Non. Non, non. Si. Non, la méga grenade. Le. White. Putain, mais je suis en train de me spoiler. J'ai vu trop de trucs. J'ai vu trop de trucs. Quand ils disent Battlefield, ils pensent. Voilà, les puits de monstres. C'est ça. J'en ai déjà battu deux. Détruit deux. Bon, je reviens dans la grotte. Et je détruis le mur. Et les combats sont revenus. Oui, puisque les combats reviennent. Donc non, faut pas finir cela. Logique. Il n'y a plus rien là. Mais je voulais m'en assurer. Change la couleur du menu et tu gagnes un succès. Ah ouais. Ouais, bon... Me dites pas tout des trucs, mais ça oui. On va essayer. Attends. Voilà, comme ça en plus ça me permet d'apprendre un peu les menus. On peut faire ça. Là, couleur fenêtre. Palette enthousiaste. Bien. Merci pour le petit succès gratuit. J'ai envie de dire, aux œuvres de succès, ça n'existait pas sur Super NES. Je peux remettre le filtre bilinéaire si vous voulez. Si vous n'êtes pas à l'aise. Mais moi j'aime pas, je trouve que ça fait flou. Trouver étoile ninja x10. C'était juste pour ça. Bien, Bah y'a plus rien. Je crois. Il n'y avait pas un mur à péter ici. Faut passer là? Oui, ben oui. Bien sûr. Ça, c'est moins rassurant, par contre. Et voilà! C'est parfait. Bouclier A. Steal yourself. Restez vous-même. Protège-toi toi-même. Mais j'ai vraiment... Attendez, il y a vraiment plus rien là-bas? Tu l'as fini plusieurs fois et c'est pas le meilleur JRPG. Eh ben je le refais pour vous. Voilà. Non! Vu que le jeu il est connu de tout le monde, c'est très rare de trouver un joueur qui le découvre pour la première fois encore en 2022. Même si Coffee l'a fait il n'y a pas longtemps. En découverte, je crois. Coffee Gaming. Sur Twitch. Il y a des succès à la con. Attendez, parce que je... J'ai l'impression d'oublier quelque chose. C'était juste pour récupérer les bombes. Parce que là, normalement, ce que je fais, c'est... Tu vois, quand je joue... Mais si je fais ça... Je vais violer votre nostalgie, et j'ai pas envie. De quoi?
T'as jamais joué à ça Je pensais que c'était plutôt ton genre de jeu. Tu veux que je te spoil la fin, le boss de fin? Non. Me spoilez pas. Je suis désolé. Y'a rien ici. Y'a que dalle. Et les monstres ne réapparaissent pas. Bon. Je le fais plus. Je le fais plus. Promis. J'arrête les streams si je le refais. T'étais au bon endroit en haut. Je le mérite. Profitez de la musique. Rappelez-vous, la première fois que vous avez entendu cette musique, vous étiez en extase. Tu veux éviter le backseat? Oui, attends, faut mettre une bombe là. Bien. Et ça, c'est quoi ici? En fait, je devrais vous lire quand je suis bloqué. Donc, je vais vous lire souvent. Là. Dites rien. Chut. Dites rien les autres. Les vrais savent. Étoile Ninja. En combien de temps il se fait en speedrun? Je sais pas, mais sur A Long To Beat, c'est entre 13 et 15. Je regarde les succès, il y a même un ou plusieurs succès dédiés aux speedrunners. Ah ouais, mais non, mais là... Faut faire le jeu plusieurs fois, du coup. Du coup... Pourquoi il attaque tout le monde en même temps? Attends, j'utilise bombe, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Oh! Confusion! Non! Je vais me faire attaquer! Il va pas rester en confusion, hein. Non. Non. J'ai eu peur. Ok. Mais pourquoi j'ai... Attends. Arme. Ah mais c'est limité. Mais oui, c'est une attaque normale, quoi. Mais ça défonce. Il faut le faire plus d'une fois pour... Voilà, on peut pas le faire en une fois. Ok. Mais évidemment. Bon. Gorgone. Bon, du coup, on fait quoi après Stropol pour savoir si on passe au jeu suivant ou si on continue celui-là? Comment on peut faire ça? Bonsoir Zelorn. C'est marqué en dessous. En dessous de la fenêtre du jeu, c'est Mystic Quest Légende sur Super NES. 93. Arrête de poser des bombes. C'est là qu'il faut poser la bombe. Cochon. Oh, le Minotaur. Zombie Minotaur. On attaque lui. Apparemment, si tu remets la vie sous forme de barre, tu as un succès. Voilà, ça par exemple, oui.
Ça, c'est une bonne information. Donc, statue. Non. Et ça aussi, il faut que je regarde après parce que... Pouah, y a tellement de trucs. Barre de vie... Attends. Mais je l'ai fait ça tout à l'heure, je crois. Non ? Je vais faire un combat comme ça, on verra. Si le succès se débloque. Je l'ai déjà fait tout à l'heure ? Je me souviens pas l'avoir... Attends, mais je vais crever là, non ? Sors ! Guérison. Parfait. Parfait. Full vie. Merci Chronokami pour le sub. Merci beaucoup. Le micro est pété là, le micro est pété. Oh là, on essaye de faire bugger. On essaye de faire... On essaie de tout faire bugger là. Par contre, le son est super bas. Faut que j'augmente le son des alertes. Faut que je fasse plein de trucs après. Ce sera pendant la pause. Y a moyen de le faire bugger, de me faire sortir. Peut-être pas avec les alertes sur Twitch, mais je peux le faire avec mon Touch Portal. Je suis en confusion, attention. Je peux balancer une bombe sur Tristan et le défoncer en un coup. Donc je dois faire gaffe à ça. Trouver étoile ninja. Non ! Merde, qu'est-ce que j'ai foutu là ? Non, c'est bon. Oh, les menus, j'ai du mal. Merci, Chronokami ! Va pleuvoir des gift subs. Oh là là, merci pour le gift sub. Attends, j'ai pas fouillé là-bas. Remets la... Oui, parce que c'est... J'aime pas. Perso... Voilà. Ok. Non, c'est beaucoup mieux comme ça. Merci pour Tiffy. Il ouvre la bouche. La bouboule dans la boubouche. Je vais aller voir s'il n'y a pas un truc là. Il y a sûrement un coffre. La graine. Perséphone. Succès débloqué, Perséphone. J'ai pas la ref. Quoi. C'est vrai qu'on aurait pu lire le manuel du jeu, qui doit sûrement se trouver quelque part, en PDF. Attends, j'ai fait une connerie, là. D'accord, ça reste sur guérison, parce que le truc d'avant, il était sur guérison, ok. Et ben, j'ai appris un truc. Attention à ça. Ne pas guérir un ennemi, ce serait débile. Sauf si l'ennemi il est très très méchant et très très puissant. Je sais plus dans quel jeu il y avait un ennemi comme ça, il fallait le guérir à fond. Pas de spoil, parce que sinon les gens qui l'ont pas fait vont se dire oh, putain, mais il fait chier. C'est la déesse grecque, c'est une histoire mythologique. La graine ça restaure les magies. Que c'est pas limité les magies. Arrête de mettre des bombes partout. Séisme, Rocket Jumper. Rocket Jumper. Ça m'intéresse. C'est une attaque. C'est une attaque en combat. À faire en combat. Voyons voir le Rocket Jump. Combat, attaque. Ah, sort. Ça, imaginons. Séisme. Voilà, on fait séisme.
Oui, mais j'ai que 28 bombes. Le mec qui pige rien. Tu peux mettre une bombe là. Attendez Zelda 2, vous allez voir. Vous rigolerez moins. Je peux péter. Arrête de faire ça. Je peux péter ça du coup. Mais j'ai pas essayé les autres. Je suis sûrement passé à côté de. Ok. Oh oh. Oh oh. Re-soigner Manuel. Tristan. Je vois Manuel. Ah, ça soigne pas beaucoup, hein. Tu ne me battras pas. J'ai la force du cristal terre. Ah, mais moi j'ai des bombes. En tout cas, t'es très joli. Lex. Lex. Les Rex le rouge. Dyslexie. Ah, nouvelle musique, hein. Bon, doucement, doucement. Sandy attaque avec la bombe. Manuel! Tristan! Putain! Attends! Attends, j'arrive! Attaque! Tu peux pas faire. T'as pas autre chose? Ah, c'est quoi ça? Vie! Bon, allez, attaque. C'est bon. De quoi tu vas faire cette blague 2? J'ai mal entendu, c'est toi qui vas avoir mal aux fesses. Eh ben. T'as intérêt à être là le jour où je le fais. Zelda 2. Vous allez voir. Quoi? What the fuck? Dundee! Dundee debout! Rex le rouge attaque double croc. Frappe deux fois. Non! Tristan lance le sort de vie. Et ça marche! Et je suis full vie! Et y a un petit ange qui vient me tapoter l'épaule. C'est moi où ta voix est devenue moins forte? Ça commence déjà? Ça commence les bugs de micro. Est-ce que c'est ça? Voyons voir. Test 1-2-1-2. Robloblox. Attends. Hey, je suis en combat là. Je suis en combat de boss. Autant qu'une diff. Ah, parce que mon micro il est vieux. Très très vieux, déjà qu'il est très mauvais niveau son. 14 Hz USB 1.0. Wow, c'était quoi ça, boomerang de feu? Non, il est pas mort là, il fait dodo. Il se repose. Le jeu super au sérieux là. Attention. Je lance guérison sur moi. Et je meurs pas. Combat, sort, blanche, attaque. Attaque. Wild pick. Ah, je vais faire un donation goal. Sommeil. Non. Combat, sort. Mais non, mais il est. Ah non, il est debout. Et dodo. Oh. Je peux pas annuler. Non. Calme-toi là. Je fais n'importe quoi. Je suis pas à l'aise. Je suis pas dans mon élément. Je suis pas dans. Fatal. What? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Séisme. Attaque avec poudre para. Oh merde. Oh non. C'est pour les débutants le jeu là. Manuel est dead. 120 XP. J'avais sauvegardé avant. Oui. Pas de panique. Je suis empoisonné.
Est-ce donc le premier joyau? Eh, mais vous voyez... Mauvaise capture. Ta-na-na-na. Regarde, le cristal. Qu'est-ce qu'il parle? Et je m'en moque, regarde ça. C'est qui? Ah ben oui, là. Oh là 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 là. Oh, le stéréo. Le stéréo qui m'indique que je me suis encore trompé de sens dans mon casque. Attendez. Je vais mettre des post-it gauche-droite. Je garde ceci. Ah, voici ton dû. Ah non, mais je veux le grappin. Elixir. It cure what? It cure... J'ai rien... C'était quoi? C'était de l'anglais, ça? It cure what I save? What? Vide. VP guérison. VP explosif. Hey, j'ai failli prendre le diamant. But what about... What about the dragon claw? Quoi à propos des griffes de dragon? Donc voilà, j'ai la pièce de Julien Doré et je peux maintenant prendre... Pour sauter... Attends. Quoi? Faut l'attaquer. Ah oui, mais avec... Je veux le grappin, moi. Attends, il y a un truc qui m'échappe, là. C'est bon? Faut juste délivrer le cristal et il flotte comme ça dans un... Dans une caverne? Attends. Faut le défoncer. Faut utiliser un truc. Arme. Ah ben non, si je sors du menu maintenant, je suis équipé de la hache. Non! Attends, quoi? Oh bord... Arme. J'ai déjà fait 34% des achievements. Je ne sais plus, c'est perturbant en effet. Oh, me dites pas que c'est un bug. Ah non, hein. Attends, qu'est-ce que... Eh mais les menus... Les menus à la japonaise, hein. Attends, je suis plus équipé. Oh là là, c'est l'heure de la pause. Attends, faut que je comprenne pourquoi j'ai les bombes. Faut que je comprenne. Comprenons. Comprenage. Je vais dans armes. Voilà, je prends la hache. Et ça fait prout quand je la sélectionne. Là aussi. Là non. Donc maintenant, je quitte le menu. Et... Bien. C'est la fête. LR pour changer d'arme. LR pour changer d'arme. Non, juste R. Et L pour changer manuel et auto. Ah mais faut le savoir ça. Manuel. T'as pas lu le manuel? Je relire le manuel. Bon du coup, j'utilise toutes mes bombes, j'ai plus qu'à 20 bombes. Eh mais... Bon là. J'autorise un petit backseat. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique que le cristal flotte comme ça? Alors peut-être ressortir. Je vais ressortir. Oui, c'est normal. Ok, d'accord. D'accord, pas de panique. Je m'en vais. Salut, petit. Et tout le monde se casse. Mais enfin, mais je suis tout seul maintenant. Au fait, je voulais des bombes. Je crois qu'on a tout vu ici, on va pouvoir se barrer. Eh ben moi j'aime bien Mystic Quest Legend. C'est à mon niveau. Ce jeu est fait pour moi. Bon, c'est un peu lent mais voilà. J'ai réussi à passer le donjon d'os. On va retourner au village. On va faire un petit dodo.
et ensuite la pause et on décide de la suite. Mais moi j'aime bien Mystic Pause. Oui, alors la suite. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Non, je crois pas que j'en ai parlé. La suite, ce sera forcément Prototype 2 parce que j'ai installé Metro 2033 et j'ai un petit souci avec ma bécane, ma nouvelle RTX. Donc j'ai fait des tests hier et mon PC s'est éteint à cause de la surchauffe. Et la surchauffe, c'est 60 degrés, quoi. J'imagine. Donc je comprends pas. Après, j'ai refait des tests en fenêtré, en 720p, en désactivant tous les effets, les ombres, tout au minimum. Et ben pareil. Ça fait exactement la même chose. Ouais, mon PC surchauffe bizarrement. Mais sur Prototype 2, où les graphismes sont plus... Enfin, je dirais pas plus mieux, mais bon, tu vois que voilà, ça devrait chauffer tout pareil. Bah là, il n'y a pas de problème. Ça chauffe pas. Donc ça le fait dans certains jeux et pas dans d'autres. Non, la ventilation. La ventilation, eh ben elle va très bien. Non, pas de problème de ventilation, je comprends pas. Non, la rétroarch, y'a pas de soucis. Allez, retrouver la sortie. Pourtant, mon PC c'est de la merde, c'est un i5 avec une carte vidéo, il run Metro 2033, mais pas Redux. Pas le Redux. Parce que moi, c'est le Redux en fait que j'ai testé. Mais bon, ce serait grave qu'avec une bécane pareille qui m'a coûté la co des fesses, je n'arrive pas à démarrer Metro 2033 Redux. Il y a un autre jeu aussi qui fait exactement pareil, mais je sais plus le nom. Alien Damnation. Alien Damnation, ça me fait exactement la même chose. Bien. Donc ça c'est fait. C'est déjà fait. On peut pas aller là-bas. Sur la droite. Ça c'est déjà fait. J'avais tout à fond la première fois et après je l'ai relancé en 720p fenêtré, tout désactivé et ça fait pareil. La couleur a changé aussi. Mais non, attends. Mais attendez, mais vous avez tous rajeuni en fait. D'accord. Revoici une enfant. Ah, c'était pas un village de petits vieux. C'était un village d'enfants. Sauf elle. Vite, donne le remède à Kaylee. Le problème vient souvent de la config. C'est un souci dans la PC Line. Ah. Oui, la musique joyeuse. Voici l'élixir, merci, je peux aller à Aquaria voir Spencer. Allons à Aquaria, où est-ce? Par la tour focale, puis au nord-est. Mais la tour focale, elle est... C'est effondré. En garde à toi. Non mais viens. C'est bon là maintenant. On sort du lit. On se sort les doigts. Pourquoi elle me suit pas? L'élixir fait instantané. Voilà, elle dit merci. On se contacte dans la semaine pour debug métro. Ok, ça marche. Donc voilà, pas de métro ce soir. Désolé Wonder. Ce sera prototype. Je suis là. Mais non, je suis pas là. Je suis en pleine forme. Je veux juste parler à tout le monde. Sauveras-tu les 4 cristaux? Est-ce que le dernier album de Daft Punk fait planter ton PC? Je sais pas. J'ai jamais essayé. J'ai jamais pris la peine de voir si cet album faisait exactement la même chose. J'ai pas envie. Non. Merci de nous avoir sauvés. Sauve les cristaux. Et lui? Lui. On l'avait pas cru, hein. J'aimerais entendre les histoires de Mac. J'avais une blague tellement nulle. Je l'ai pas sortie.
Elle est restée là, tu vois. Là. Et... Bien, on a sauvé le village. On va... faire dodo. Et c'est la pause. Ah ben, j'aime bien Mystic Quest.